Comment on sauve un flash dont les piles ont coulé? Je vous explique ça tout de suite. Bonjour, vous êtes bien avec Erwan Garrel, photographe aviateur. Aujourd'hui, une petite astuce. Il y a quelques jours, j'ai voulu me servir de ce flash. Et au moment de l'allumer, rien. En ouvrant le compartiment à piles, je me suis aperçu que mes piles batteries avaient coulé et avaient oxydé les contacts. Donc la première astuce, c'est laissez pas vos piles dans les flashs ou dans tout autre appareil qui ne sert pas. Vous voyez, ça m'a pas servi de leçon, les piles sont quand même dedans. Donc les piles, elles, sont parties au recyclage, j'allais pas les garder. Par contre, au niveau des contacts du flash, évidemment, même si c'est des Unio, ça vaut pas une fortune. Celui-là, c'est un TTL, il vaut un peu plus d'une centaine d'euros quand même. Donc je préférais le sauver que d'en racheter un. Donc il y a une astuce, vous prenez du bicarbonate et vous le mélangez avec un petit peu de jus de citron. Vous faites avec une espèce de petite pâte, il n'y aura pas besoin d'en faire beaucoup. Et avec un petit coton-tige, vous allez en prendre et vous allez venir frotter là où c'est oxydé sur vos contacts. Prenez un peu de temps, mais en 5 minutes, normalement, vous avez désoxydé vos contacts suffisamment pour que ça fonctionne à nouveau. Vous voyez, ils sont pas, on voit qu'ils sont pas neufs, mais le flash fonctionne, c'est le principal. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À très vite pour une nouvelle vidéo. See you! Bonjour, vous êtes bien avec Erwan. Eh oui, vous êtes bien. Bonjour avec à tous, vous êtes bien avec Erwan Garrel, photographe aviateur. Bonjour, vous êtes bien avec Erwan Garrel, photographe aviateur. Aujourd'hui, je vais vous. Bonjour à tous, vous êtes bien. C'est coulé dans le réceptacle à pile. Et dans le petit compartiment, on recommence. Je recommence. C'est tout pour aujourd'hui. Et on recommence.